Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ma night routine après les cours. Donc là je viens de rentrer, j'ai quitté à 16h. C'est le jour de la semaine où je quitte à 16h, du coup c'est plutôt bien. Là je vais faire mes devoirs, j'ai pas mal de devoirs, j'ai une éval en physique pour demain mais j'ai déjà commencé à réviser mercredi donc ça sera juste de la révision. Et des exercices de physique et je dois faire de l'allemand. Finir mes exercices de physique, là je suis en pleine révision allemand. J'ai toutes les consignes de classe à apprendre. Elle a dit à l'oral, donc je pense pas qu'on devra les écrire, donc ça va encore parce que c'est quand même dur l'allemand. Bon bah là il est plus, je sais pas, 17h15, mais je vais faire mon sac. Oui, j'ai été assez vite à faire mes devoirs, mais parce que ma physique j'avais déjà appris, du coup bah, j'ai pas appris pour les balles. Et je vais juste réviser un petit peu ce soir. C'est la révision. Du coup, aujourd'hui j'ai la soir. Bref, je suis en sac. Alors, j'ai aussi pris ça d'ailleurs. C'est un truc de manga que j'ai trouvé à Aldi. Donc, vous avez pris ça avec ma mère, je l'ai vu et je lui ai dit maman, est-ce que tu peux acheter ce pays? Elle m'a dit oui. Et du coup, je vais montrer ce que j'ai fait. Bon, après, c'est pas ouf ce que je fais avec des feutres de cours. J'ai décidé de faire une petite activité créative. On entre dans la période d'octobre, ma période préférée en fait, parce que c'est Halloween. Bref, du coup là j'ai pris un carton, des ciseaux, de la colle et je vais faire un pot à crayon Halloween. Je sais pas encore, mais je pense que je vais faire des petits fantômes dessus. Et j'ai aussi fait des petits crayons d'Halloween et tout, mais je vous montre pas tout parce que ça sera pour une prochaine vidéo qui va certainement sortir la semaine prochaine vu qu'on arrive en octobre. Donc voilà, j'ai aussi fait d'autres déco mais je peux pas vous les montrer pour l'instant. Du coup j'ai fait 4 carrés à peu près de la même taille, du coup faire un pot à crayon et tout assembler comme ça. Et il faudra aussi que je fasse un pour le sol. Donc voilà. Pendant que le pistolet à colle chauffe, je vais customiser ma colle parce qu'en fait j'ai fini une de mes colles. J'en ai toujours deux dans ma trousse et j'aime toujours en avoir deux au cas où il y en a une qui se finit et que j'ai plus de colle quoi en gros. Du coup bah, je vais la customiser avec des stickers, donc comme dans ma vidéo personnalisation de mes fournitures scolaires. Donc voilà mes choix de stickers. Je sais pas si je vais tous les mettre mais je les trouve vraiment trop mignons. Voilà, j'ai fini ma petite colle, je la trouve trop mignonne. Je sais pas si on va bien voir, mais j'aime trop. Et maintenant, bah, je vais les coller parce que là, je pense qu'il a quand même assez de temps pour chauffer. Voilà le rendu de mon beau crayon, c'est comme ça, mais j'ai pas du tout fini. Bon, là, faut vraiment que je me mette à ranger parce que regardez tout ce bazar. C'est pas du tout possible. Et parce qu'il était vraiment sale, il y avait plein de traces de crayon parce que comme vous savez moi je dessine beaucoup. Du coup bah voilà mes petits fantômes, comme vous pouvez le voir j'ai déjà fait sur une feuille utilisée mais voilà. Le résultat de mon pot à crayon, voilà c'est comme ça. En vrai j'aime bien mais voilà,
Et bien sûr, à l'intérieur, je mettrai des stylos Halloween, mais pour l'instant, bah, ils sont pas là parce que je peux pas vous les montrer pour l'instant. Je viens de préparer ma tenue pour demain. Donc, j'ai choisi ce t-shirt smiley. Donc, bon, il y a un gros dégradé d'arrière de smiley, tout ça stylé, avec un petit dessous de maillot comme ça à longue manche pour que ça tienne chaud parce que sinon il fait hyper froid. Enfin, il commence à faire froid quand ça commence à être l'hiver. Et comme jean, bah, le jean que j'ai là, quoi, le même. Et demain pour la coiffure, ça sera certainement cette coiffure là comme ça. Donc voilà, et je pense pas, je vais mettre des boutons, enfin, je sais pas trop. Je vais plaquer avec ce truc là, là comme ça. Je vais plaquer à tout. Enfin, bref, mes trucs pour demain. Et comme make-up, je vais vous montrer. Je vais utiliser cet anti-cerne avec. Je me maquille vraiment légèrement pour le collège parce que j'aime pas qu'on marque trop. C'est juste pour faire comme si j'ai bonne mine, la bello, parce que j'ai les lèvres hyper gercées. Voilà. Et enfin, je mets souvent l'huile, c'est le voile doré à la vanille. Ils sont trop trop bons. D'ailleurs, en ce moment, je mets beaucoup. Avant, je mettais pas trop, je sais pas pourquoi. Et du coup, là, il commence. Enfin, il est même pas à la moitié, mais du coup, ça, il s'est pété quand même pas mal vite. Je l'ai depuis. Après du coup, ce sera certainement avec cette pince beige. Et je vais me recourber les cils avec un recours cils. Le make-up et tout là, c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Je fais toujours ça parce que ça fait naturel, ça fait bonne mine, bref, j'aime bien. Du coup en fait là j'ai tout rangé, tout préparé et tout. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. J'ai pas trop vu l'heure passer, il est déjà 19h30. Et bah là je pense que je vais jouer de la guitare. Et après je devrais certainement aller manger. Du coup j'ai joué de la musique pendant pas mal de temps, 30 minutes. Après j'ai dû aller manger, là il est 20h20. J'ai fini de manger, j'ai tout fait, bref. Et je pense que c'est la fin de la vidéo. Parce que là tout ce que je vais faire c'est me reposer, aller me mettre en pyjama. Rien d'intéressant. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé,